En 2006, les Têtes à claques, c'était un gars qui avait fait un clip avec deux grenouilles qui pètent dans l'eau. Deux ans plus tard, c'est une équipe de 12 personnes, des millions de visiteurs, au moins 100 poupées et 40 dentiers. On est à... Longueuil! Et on est tout près du quartier général des Têtes à claques. On va essayer de percer leur secret. Oui. J'entends des bruits. Ouais, oh, j'ai fait du bruit. OK, regardez. Chut, tu me regardes. Okay. Go, 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 go. Je vois Michel. Salut Michel! Hey! C'est comme une heure, qu'est-ce qui se passe ici? On a comme, avec Phantom, on est comme, on est en train d'infiltrer le quartier général des Têtes à claques. OK. Fait que, on s'est dit qu'on venait faire un tour pour voir un peu, on essaie de découvrir un peu les secrets des Têtes à claques, comment tu fais tout ça, comment ça se passe, et avec tous les Raoul, Cécile, non, de non, non, c'est pas nos secrets. Est-ce que la caméra de fan club est la première à rentrer dans votre nouveau site? Oui, absolument. Vous avez la primeur. Primeur Banjo! Oh, c'est vraiment hot. C'est comment l'idée est arrivée de faire justement, de créer les Têtes à claques, ces petits bonhommes-là? C'est parti d'où? Oh, c'est un peu, c'est très spontané. C'est un peu, oh, je pense que c'est un peu une réaction au métier que je faisais avant. Moi, j'étais un publicitaire de métier. J'ai toujours aimé, été fasciné par l'animation image par image, le stop motion animation. Okay. Quand j'ai réalisé le temps fou que ça prenait à animer la bouche puis les yeux des personnages, faut vraiment être patient, là. Okay. J'ai dit non, c'est un petit peu impatient. On voit qu'il y a beaucoup de figurines ici. Ouais, des nouvelles acquisitions. Vous voyez, ces poupées-là, ça se vend plus, là. J'achète ça sur eBay. C'est tellement petit. C'est super simple. Ben oui, c'est très. Pourquoi c'est petit comme ça? On les filme de la proche, ils ont l'air super gros. Ah. C'est ça le truc. T'as combien de personnages? Ça demeure. On doit en avoir, je sais pas, moins de cinquantaine de personnages. Tu fais tous les personnages? Oui, en français, je fais tous les personnages. Et toutes les voix? Toutes les voix. Moi, j'aime bien le pilote. Mayday! Ici vol DC-132, demande priorité d'urgence pour atterrir. Fait que tu vois, je rentre ma tête là-dedans, comme ça, là. Puis là, je me visse un petit peu. J'ai mon tiroir de fausses dents. Oh, wow! J'aime pas ça, mettre mes fausses dents. Je trouve que ça enlève la magie des... Ça fait Johnny Boy. Oui, c'est tellement vrai. Tu leur connais-tu, Johnny Boy? Ah ouais, c'est ça. Réponds, Johnny. Allô? Hey, Johnny Boy! Comment ça va, mon Johnny Boy? T'aimes-tu vraiment les Pop-Tarts? Je me souviens que j'en ai mangé quand j'étais petit. OK. Puis ça, tu vois, encore une fois, c'est une affaire pas vraiment réfléchie. Ah. C'est le son? C'est quoi, c'est le son? C'est ça, le nom. Je trouvais ça sonnait drôle. Est-ce que Pop-Tarts, ça plaît? C'est bon, des Pop-Tarts. Là, vous lancez le site en anglais, comment ça va s'appeler, les Têtes à claques? Ben, ça va s'appeler Tac TV, qui est tout simplement une contraction de Têtes à claques. Tu vas-tu faire tous les mêmes personnages en anglais? En anglais, j'ai engagé un comédien professionnel qui fait les personnages. Je me suis gardé le pilote et Raoul. Moi, je suis curieux, là. T'as un set de drums, t'as des claviers, t'as des guitares. Pourquoi les, t'as les boys sont pas mal tous musiciens. Le soir, ils vont jammer ou la fin de semaine. Donc, on a vraiment infiltré à fond les quartiers généraux de les Têtes à claques. Merci infiniment. On se sent très privilégié d'avoir passé ce temps-là avec toi et avec toute ton équipe. OK. Et un beau bonjour à Raoul. Moi, c'est mon personnage préféré. Puis que tu le salueras pour moi. C'était cool! Ah, c'était vraiment cool! Ah non, tous les petits bonhommes qu'il y avait, là, puis les faces, puis quand il s'est mis la face dans les taux, là. Ouais. Ah, je pense qu'on aurait essayé de. Oui, allô? Hey, Yanni Boy! Comment ça va, mon Yanni Boy? Ça va, c'est qui parle? Ben, c'est Raoul! Ah! Ah, ben, salut, Raoul! Écoute, mon Yanni Boy, là, ça a l'air que la belle Magali a très bien raide sur moi. C'est-tu vrai, ça? Je sais pas, là. J'ai aucune idée, là. Ben, passe-moi là le bozo, là. Moi, il parle. Moi, fais-moi confiance, là. Moi, je connais ça, les petites patonnes. OK, un instant. Je vais te parler. Moi? Ah, oui. oui, allô? Hey, Magali! Comment qu'a va la belle Magali? Pas pire. Hey, écoute, mon beau petit bébé, là. Tonight is your lucky night. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire que je te donne la chance unique de passer la soirée avec moi. Tonight, you will feel the magic in the air. C'est super gentil, Raoul, mais ça va être difficile. Là. Je suis un petit peu occupée. Je suis pas mal occupée. Bien occupé. Voyons donc, tu feras tout ça une autre fois. Là. Va te pouponner tout de suite le beau Raoul. Là. Moi, il est là dans 20 minutes. OK, bye! OK, faut qu'on s'en aille. Pourquoi? Faut vraiment qu'on s'en aille. Non,
Oh. Détends. OK.